when you play mine, mine, Minecraft. Donc, un volontaire pour faire l'intro ou bien? Ouais, je dis let it be, hein. Très bien. Quinoa, quelque chose à dire? Je sais pas. Très bien. Allez. Dire, si vous êtes un homme qui aime les hommes, ou si vous êtes une femme qui aime les femmes. Tu l'as déjà faite, celle-là. Bah, c'est ouais, pas grave. C'est hein. Allez, c'est parti. Hein. Donc, première petite visite en off, après le live, avec monsieur Carpso. Bah, salut. Salut, salut. On va donc te suivre. Quinoa, ouais. Tu es prêt? Ouais. Faites attention, vous avez tous des ailes? Oui. Bon, tant mieux. Ça fait peur, ton truc. J'ose pas bouger. Merde, son père. Alors, bienvenue chez moi. Ça a un peu changé. Un peu? Alors, un peu. Ok. Non, mais d'accord. Donc, regarde un peu derrière toi. Voilà. What? Il y a des hélicoptères là? Oui, oui. C'est quoi ce délire? Et c'est quoi le logo Batman là-bas là? Ah oui, mais ça, on verra après. Très bien. Bon, bah vas-y. Voilà. T'es alors, où? On va te suivre. Hein. Je suis là. Ok, alors, donc ouais, t'as pas rigolé encore toi aussi. Hein. Donc, j'ai énormément terraformé. Ouais. En gros, la montagne, elle allait jusque là, facile. Là, ouais. Je dirais. Donc, j'ai complètement coupé la montagne, puis on verra à l'intérieur, ça a tout modifié. Là, j'ai fait une petite construction un peu plus RP, enfin... D'accord. C'est la fusée? Un petit missile. Ah, c'est un missile, ok. Autant pour moi. Ah, il y a de la fumée et tout en bas. Quoi. Ah oui, j'y suis allé en mode ah, oui, RP d'accord. Total, hein. Putain. Voilà. Ok. Donc, on va d'abord faire l'extérieur, du coup. Ok, mais c'est toi qui décides, c'est ouais, ta visite. Ouais, ouais. Hein. On te suit. Alors, du coup, j'étais parti sur faire une sorte de complexe militaire laboratoire. Ouais. Donc, les dômes, ils sont tous de Kumiko. D'accord. Un homme aveugle maintenant. Il s'est tué les yeux pour le plus gros qu'on verra derrière. D'accord. À peu près là, donc, il y a trois grosses tours. La première ici, et la deuxième plus gros, un peu plus petite qui est là-bas au fond. Ah oui, d'accord, mais j'avais pas vu le fond là, c'est en train de. Charger, ouais. Oh la vache! Eh, mais ça va loin, ça va très loin. Oui. Très bien, non mais ok. Ça va trop vite. Ça va trop vite là. Il y a que cette tour là qui a rien dedans. Les autres, on verra qu'elles servent à quelque chose. Voilà, c'était mon petit délire. J'adore Batman, alors voilà. Très bien. De nuit, quand il fera nuit, on pourra voir c'est tout éclairé. C'est phosphorescent la nuit. Ouais, j'ai mis des petites lampes, en fait, dessus. C'est ça, les petits trucs, là. Ouais, qui se rechargent, en fait, par... Je me demandais à ce que c'était. Par wireless, en gros, à l'intérieur de là, il y a un chargeur. Et à l'intérieur de ce cube aussi, il y a un chargeur. Qui fait qu'il recharge les lampes et en gros elles éclairent non-stop, ça consomme un petit peu mais ça va, c'est pas insane. Et puis très bien. Du coup voilà, donc là c'est le début parce que dans l'optique j'aurais les continué. Hélicos, quoi. J'aurais, oh il y en a encore un là. Ouais je l'ai vu celui-là là déjà. J'ai vu celui-là en arrivant en fait. Des turbines pour faire les hélices. Ouais ouais, ça rendait super bien alors du coup. Ouais, oh la vache. Surtout que ce qui est l'avantage, c'est que le turbine rotor shaft, c'est le pilier central, quoi, il se fixe sur n'importe quel bloc. Mm. Donc ça, c'était le gros avantage. Très bien. Et donc, ouais, dans l'optique, je disais... Mais on peut rentrer dedans? Ah oui, oui. Ah oui, et puis ils sont fonctionnels, ils volent et tout. Mais si tu veux, enfin... Juste des boutons, non, je rentre pas dedans, mais c'est les portes, ça m'a fait marrer là. Ah, mais en soi, il y a la déco qui est dedans et tout, même sur les militaires là-bas. Ah, mais je vois ça, hein, il y a la chaise et tout, au calme. Du coup, voilà. Alors là, petit dôme, c'est pour mon usine à bois en fait, qu'on verra plus bas à l'intérieur. D'accord. Voilà, ça, c'est pareil, il y a une usine qui était en fait pour ma première grosse source d'énergie. Mm-hmm. Voilà, et donc ça, c'est le dôme central, c'est là où Kumiko a perdu ses yeux, RIP. Très bien.
C'est là où on finira probablement la visite. D'accord. Donc, bah on va revenir au niveau de l'hélico rouge. Ok, je suis. Hop, voilà. Donc, j'ai fait une première entrée ici. Alors. Je t'attends. Hop. Voilà. Donc, on peut D'accord. rentrer. Voilà. J'ai Oulou. un peu utilisé DecoCraft que j'aime beaucoup. Oh! Waouh, j'adore. Bah voilà, bah Maxpot a dit la même chose quand il Ça l'a me fait vu. penser, je sais pas si tu l'avais vu, une série qui avait fait pierre sur une map comme ça avec les blocs blancs et noirs, et en fait, t'avais toujours l'impression que, enfin, ça faisait un labyrinthe. Et en fait, ta déco là, ça me fait Ouais, c'était le carrément penser. texture pack quoi qui faisait Ouais, ça. Ouais, je l'avais vu. ça fait vraiment classe du coup là en déco. J'adore. Ouais, Ça me alors en fait, rappelle c'est les ça. anti-blocs. Les anti-blocs permettent ça, ils ont pas de connexion, rien. Et du Tu coup, vois le voilà. délire. Donc Ok, voilà, hop. Jackie qui sera sur ton record, hein. Super. Parfait. Donc on peut passer là. Et alors là, c'est une des salles les plus importantes parce Oh que la du coup, vache. c'est mon stockage d'énergie. C'est la grosse bouboule. Ouais, voilà, donc bon, elle est constamment full, j'arrive pas à la vider, malgré que j'ai une underquarry qui fait du 3000 par 3000, mes laser drills, enfin j'ai tout qui est branché dessus, elle bouge pas parce que j'ai 10 panneaux solaires ultimate, enfin j'ai encore ma production qui est un peu plus bas. Très bien. Production qu'on va aller voir de suite, hop, on descend par là. Ok. Alors c'est tout câblé avec des cryostabilisés de flux duct On parce que descend par ça. là. Ok. Voilà, les gros tuyaux bleus que tu vois, en fait, ils font passer un courant infini entre les machines. Tu es où? Parce que Juste je... derrière toi. D'accord, je t'avais pas vu. Hop. Voilà, les gros tuyaux bleus, voilà, c'est un courant infini que ça fait passer. D'accord. Donc ça produit assez rapidement. Enfin, comme je produis beaucoup, il faut que j'envoie beaucoup. Alors là, on va descendre jusqu'en bas. Attention aux dégâts, par contre. On va au plus bas? Ouais, au plus bas, vas-y, descends jusqu'à être au plus bas. Attention aux dégâts. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, Oh là là. reculer. Voilà, alors là, on est sur un gros stockage de RF en dessous, qui me sert un peu de buffer en plus du Draco Core. D'accord. Et en fait, là, j'ai 8 générateurs Nether Star, donc en gros, ça bouffe une Nether Star et ça me fournit à mort d'énergie. Et donc voilà, ça c'était ma grosse source d'énergie. Maintenant, bon, j'ai les solar panels, le petit wither de Botania. Oui, le Wither qu'on avait vu chez Emeraldine, Voilà. à qui il faut donner du sucre, très bien. Exactement. Qui craint pas le wither, alors le wither, les dégâts du wither. Ah merde. What? Oh non, j'en ai marre, hein, vous faites chier à me tuer tout le temps! Putain! Non, mais Toujours please! tout. Là, par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait là? C'est Elle était parce en que. 25x25 sur Non, ses dégâts. j'étais Je en vais. 4x4. Ah, d'accord! Ok, vous m'avez cassé la gueule encore une fois. Ah, bah merci, ça Parce tombe que bien. j'avais un creeper en J'allais fait qui était justement te devant. demander. Ouais, mais du coup là, je vais mourir en fait. Bah, normalement, tu Allez! prends pas les dégâts sur le côté. Allez! 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 Mais pourquoi il me pète le bloc derrière? Il me pète pas la tombe, ce connard. Ah! Hein? What? Ah, ça y est. Un animal. Hein. C'est toi l'animal! Putain. Mais les mecs, quoi. Les mecs me mettent tellement la douche à chaque fois. Ouais, c'est pour ça que je t'avais donné la Draco, hein. C'est pour que tu sois protégé. Enfin voilà, Ouais. j'ai enlevé du coup les Nether Stars. Du Ça coup marche. voilà, là on peut remonter. On va remonter jusqu'en haut. Tout en haut, en haut, en haut. Ouais, tout en haut, tout en haut. Ah merde. Pourquoi? Donc en gros voilà, bon ça c'est ma grosse salle de stockage d'énergie. En dessous en fait de ce Draco Core, j'ai des Tesseract qui distribuent à tout, de partout dans ma base. Voilà. Si on va ici. T'es où? T'es là. Voilà. C'est donc là, Ok. on va dans la plus grosse tour. Attention. On la voyait de loin? Oui, ah bah c'est la plus grosse tour de l'entrée en fait. Et en fait, c'est mes laser drills qui sont tout en haut. Ah oui, d'accord, ok. Donc, monte On en va fly monter. et colle le mur ici. Voilà. Donc, j'en ai 5.
Donc je les ai alimentés un peu de manière Ah oui, particulière. d'accord, ok. J'ai utilisé des résonantes énergicelles parce que en fait tout ce qu'on leur donne en énergie, ils bouffent. Donc j'ai mis un output d'énergie de max 5000 RF. Comme ça, c'est juste ce qu'ils ont besoin pour charger à fond. Donc là, je suis au D'accord. maximum de rendement. Donc là, je suis avec un focus que pour les diamants, enfin tout ce qui est couleur comme les diamants. Donc voilà, Ouais. ça me produit assez, enfin, ça produit pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même vraiment eu du tryhard hein, sur le serve hein, pour certains. Ça a vraiment. Putain! Bon, Oui! voilà. Donc voilà, pour cacher un peu les lasers et puis faire en sorte que de l'extérieur ce soit pas dégueulasse, c'est pour ça que j'ai fait la grosse tour à l'entrée avec la C'est, fumée. j'arrive pas à voir de l'extérieur en fait laquelle. Enfin, quand on est Et bah, arrivé, si je tu vois. regardes sur la map, Ah oui, celle où il y a d'accord. Batman. Je vais arriver comme ça en Attends, fait. par contre, je vais faire un truc parce que ça fait dégueulasse. Je vais virer la mort. Je vais virer la mort que l'on voit. Tac, tac, elle est où? Death. Remove. Voilà. C'est un petit peu moins moche. Hop, c'est bon. Du coup, oui, on est arrivé comme ça en fait. Là, il y a le Batman. Ouais. Là, et du coup, là-bas, l'hélico rouge. Donc, c'est la plus grosse tour en fait. C'est la première que tu voyais. D'accord, très bien. Voilà. Ok, Et monsieur. parce que les laser drills doivent être à une certaine hauteur pour être vraiment, vraiment utiles. Donc, voilà, ça, c'est la première grosse, grosse partie de la base. Là, on va rentrer dans la deuxième partie. Ok. J'ai Alors, toujours comment? peur quand je passe une. Oh! Une porte de voir ce qu'il va y avoir derrière, tu vois. Je suis. Alors, ça, c'est toutes mes usines qui tournent de manière automatique. Donc, là, j'ai Wither Squelette, charbon et donc les têtes. Là, c'est le fer et le bois. Là, bon, c'est pour avoir de la mob essence, c'est pour faire des auto-spawners. Ça, c'est l'or et les émeraudes. Ça, c'est le cryo, donc c'est les blazes de glace et les blazes mob. Ouais. Là, j'ai Enderman et Slim. Là, donc le bois. On voyait du D'accord, oui, ce bois. qu'on a vu du haut. Et là, j'ai Ok. les sorcières aussi pour la glowstone, la redstone. Et là, c'est le truc petit nouveau que j'ai rajouté, c'est pour avoir de la sugarcane et du melon pour botanière. D'accord, ça va. Un Ouais. homme plutôt au calme, non? Ça va. Et donc là, grosse usine et qui correspond en fait à la deuxième tour. Ouais. Elle est ici. Et c'est une usine à Wither Boss. D'accord. Je l'ai fait spawner 6 par 6. Ça va l'usine aussi, c'est pareil. T'as pas vu trop grand, non? Ouais, on peut sortir, juste un peu chiant avec les machins pour revenir après, donc Ouais. voilà. Attends, je vais juste les casser après pour qu'on puisse revenir tranquille. Lol. Donc en gros, ça les fait spawner. Le temps qu'ils chargent, enfin il y a des petits ventilateurs en fait qui les poussent. Je sais pas si tu t'approches d'un, tu vas voir que t'es repoussé. Alors, vas-y, ils sont où tes ventilos? Bah, mets-toi devant n'importe quel spawner, enfin devant n'importe quel autonomous activator, tu vas voir, t'es repoussé. Ouais, d'accord. Je Ah lâche ouais. là et ouais, effectivement. Voilà, donc bah ça c'est en fait pour pousser les wizards pour pas Ok. qu'ils restent à l'infini bloqués ici. Ouais. Donc ils vont tomber jusqu'en bas et là il y a comment? Les mob grinders de Draconic Evolution qui OS n'importe quel mob qui du coup. Ah, la petite tête de mort qui va bien là. C'est ça, OS, même le Wither Boss. D'accord, Il ça y en va, a un ça ici passe. parce qu'il y a un petit bug, je sais pas pourquoi, quand ils descendent avec les ventilateurs, ils glitchent exactement à ce niveau-là. Ouais, ça Et ils après. restent bloqués, donc j'avais des Les gros glitches, faut soucis. pas chercher, hein, c'est. Ouais. Et donc là, j'ai un Vacuum Hopper et mon Ender Chest, bien sûr, d'en dessous, qui me récupère tout et me renvoie tout dans mon AE. D'accord. Et les Conveyor Belt, c'est pour les items qui tombent, par exemple ici, qui soient mis dans le rayon d'action du Vacuum Hopper pour être aspirés. D'accord. Plutôt sympa. Hein. J'aime assez le petit design Ouais. de, Et en là, tu gros, peux avec les descendre. spawners, les usines regroupées comme ça. C'est bien. Et là, on peut descendre. Où Ouais, ça? là, on peut descendre. Ok. Donc là, c'est la source d'énergie qui alimente tout ça. J'ai essayé d'innover un peu, donc j'ai utilisé Draconic Evolution pour faire des câbles qui alimentent en Oh, c'est fait les joli Tesseract, le enfin, et les usines de rôle. l'effet. Ouais, c'est assez J'aime sympathique. assez, ouais. Et donc là, c'est mes Ender Chests en fait qui dispatchent dans tous mes spawners. Donc là, c'est pour les têtes. Là, c'était pour la soul sand. Bon, j'en ai plus.
Voilà. Et ah oui, en plus du vacuum hopper, comme ça allait pas assez vite quand je produis à fond, j'ai mis un transfert node, enfin une transfert node qui Ah aspire. oui, un homme qui a quelques têtes, hein. Non, mais là c'est rien, hein. Je suis monté à 4-5 millions. Hein. D'accord. Ok. Donc voilà, donc ça. Là, c'est bah, ma grosse, grosse production. Hein. Là, j'en ai utilisé énormément, mais je suis encore à 65 000 Nether Star. Ça va. Ça va. Tu es bien silencieux et bien calme, Quinoa. Que se passe-t-il? Ouais, bah, je regarde. Ouais. Le mec se fait chier en fait. Ouais, super. Ouais, nice visite, Kerpso. Ouais. Donc voilà, alors ça, c'est le cœur un peu de ma base. Ouf. Ouais, je l'avais vu d'en bas à un Voilà, moment. J'ai ouais. regardé un petit peu d'en bas, mais ouais. Donc ça, La c'est mon AE. discothèque, hein. Voilà, c'est l'AE. Donc j'ai mis pas mal de drive, mais je suis allé complètement dans l'overkill. J'utilise même pas un tiers. J'en ai 4 fois plus que toi et je n'utilise pas non plus un tiers. Ouais, non, mais c'est. En fait, je suis allé complètement dans l'overkill, mais c'était plus pour le design que je l'ai fait. Bah, ça rend plutôt bien, j'aime bien. Ouais. Et donc, alors à droite, là, les gros cubes et les petits rectangles, c'est des unités d'autocraft. On a déjà vu ça chez Silek, il y en a chez Kino, enfin, tout le monde utilise ça. Ouais. Plus c'est gros, plus je peux faire de tâches en même temps. Donc, ceux-là, c'est typiquement pour craft Plus c'est gros, mieux c'est, Voilà. en gros. Très bien. Et donc, c'est pour craft les Ultimate Solar Panel, par exemple. Donc, bon, par contre, quand je les lance, je peux plus m'approcher de ça parce que mon ordi tient pas, donc je crash. Ah, c'est un peu triste. Mais par contre, ça craft beaucoup plus vite. Ok. Voilà. En haut, bah, c'est tout ce que je. Donc, j'ai mes Under Chests qui sont reliés, par exemple, aux Under Quarry ou aux Spawners qui stockent directement dans l'AE. Donc, j'en ai deux. J'ai mon Chunk Loader, bien évidemment. Ma Security Station qui me permet d'avoir la petite chose que j'ai dans les mains qui me permet de très très loin, on verra tout à l'heure, je peux accéder à mon inventaire de très très loin. D'accord, c'est pratique ça. Et là, j'ai cette petite machine qui fait des petits ronds bleus là autour. Alors attends. Petit rond bleu. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà, et en fait, si tu regardes en haut à gauche, tu as un espèce de petit pain, peut-être, En haut pour que à tu sois gauche. full en bouffe. Je suis full en bouffe, du coup je ne le vois pas. Et bah en gros, Mais il me semble que. Ah ça y est, j'ai un. C'est pas un voilà. pain, c'est un bol de soupe, c'est ça? Ouais, enfin, c'est moi je vois ça comme un pain, donc On dirait un bol de mushroom, moi, bon bah de voilà. soupe de Ouais, non, mushroom. le mushroom. En gros, ce bloc-là qui bouffe pas mal d'énergie, ça te nourrit tout seul, donc j'ai pas besoin de manger quand je suis dans ici. Ça, c'est plutôt sympa aussi, j'aime bien. Voilà. Ça évite. Tu Plus peux rester AFK en plus, du coup, dans la c'est ça zone. exactement. Plus ça ici qui en fait recharge mes armes et mon Ouais. armure et enfin tout ce que j'ai sur moi quoi. D'accord. Tout ce Et qui est en c'est ce qui recharge les range-moi cette arme de malheur! Je pelles. t'ai vu! Et c'est ce qui recharge aussi les lampes sur le Batman. D'accord, ok. Alors hop, ici derrière, c'est pour faire un BC silicone. Donc bah, je vais montrer un petit peu. Oh! D'accord. Voilà. Donc en fait, il faut des lasers pour faire fonctionner l'assembly table. Donc là, par exemple, je fais des redstone chipsets. Donc j'envoie énormément d'énergie parce que j'ai une très grosse source. Donc c'est pour ça que ça va si vite normalement. Puis j'ai Cette beaucoup de phrase, lasers. j'ai une très Normalement, grosse source. Très bien. j'ai une source infinie. Ah, parfait. La views Et amateur, hein. donc ça produit vraiment pas mal. Donc voilà. Ok. Là-bas, j'ai la même chose, mais pour faire tout ce qui est de extra utilities. Donc les under query, les under marker, les magnum torches. Donc c'est pareil, ça marche. Générateur. Ouais, D'accord, enfin ouais. voilà, ça marche vraiment. Les nodes, enfin ça marche vraiment très très rapidement vu que j'ai mis beaucoup d'underflux crystal. Okay. Moi, je suis plutôt Voilà. contente parce que pour l'instant, j'arrive à peu près à te suivre et à filmer correctement sans qu'il y ait de trop gros lag. Il y a juste de temps en temps un petit écran figé, mais Ouais, c'est ouais. vraiment rare et ça passe quoi. On arrive à bien voir. Ça aurait été dommage hein, vu l'ampleur de la chose de pas pouvoir. Hop. Donc du coup, Alors c'est là, j'ai cool. les Quantum Solar Panels, c'est
Bon, c'est pareil, c'est les meilleurs solar panels qui existent pour Advanced Solar Panel. Ah oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs, quoi. Donc ça produit en EU, pas en RF. J'utilise majoritairement du RF et pas du EU, mais j'avais des machines en dessous. On verra après qui en avait besoin. D'accord. Bon, ça, c'est ma petite zone de test Botania, parce que Botania, ouais, je suis en j'avais train de vu en préparer arrivant. un petit truc. On verra ça plus tard. C'est qui Mamour la patate? Je sais C'est pas, en fait, en lui faisant des clics droits, on peut lui faire des cœurs. Alors voilà, j'ai trouvé ça. Emeraldine, on a une aussi, on avait vu la petite patate chez elle. Ouais, c'est bien rigolo, ça, Ouais, ça c'est faisait. marrant, ça m'avait fait rire. Botania, j'aime vraiment ce mode et c'est Mais j'ai assez l'impression que dur de tout le commencer. monde, hein, tout le monde a pas mal Il y a, croché sur tu Botania. peux faire des trucs de ouf en fait avec Ouais, Botania, c'est ça ouais, qui est fou. ouais. Et ben, donc typiquement, là j'ai les cœurs bleus de Botania. T'as l'anneau? Ouais, j'ai un anneau en D'accord. fait. Ouais, je L'anneau. l'ai. C'est l'anneau Pareil. d'Odin. D'accord. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, on a tous des ailes comme ça. Emeraldine, elle a les ailes de Voilà. Botania, mais elle les utilise pas. Enfin, je l'ai vu lever, pas, je l'ai pas vu les prendre sur elle. Enfin, Elle les a voilà. mis vite fait pendant sa visite. Waouh! T'es la statue de la liberté, en fait, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Et en fait, le désavantage de ses ailes, comme elle l'a dit, c'est que ça bouffe du mana. Ouais, elle en avait Donc j'ai parlé, dû effectivement. crafter Greater Band of Mana qui est capable de storer en fait 1000 de mana. Et à côté de ça, j'ai encore une autre ceinture qui, elle, me produit un peu du mana D'accord. pour éviter de tomber trop vite en rade en mana. Mais je trouve elles sont vraiment sympathiques. Alors Ouais. c'est les seules que j'ai Moi, pu crafter. je les aime pas du tout. Ah, bah écoute, hein, les goûts, les couleurs, hein. C'est ça. Bah, je sais pas, en fait, je trouve qu'elles sont trop basses. Ah, T'as les ailes une aussi, aile sur ouais. chaque fesse, en C'est fait. vrai Ouais. qu'elles sont un peu basses, mais en soi, enfin, elles sont pas moches. Enfin, moi, j'aime bien. Mais elles sont placées bizarrement. C'est pas faux. Voilà, bon, du coup, je reprends. Alors là, j'ai quelques petits trucs. Donc, j'ai le Terra Steel Helmet qui est Ouais, j'ai au regardé vite maximum fait. dans le chest bleu, ouais. Le Terra Steel Helmet, en fait, je l'ai mis full. Enfin, on peut pas le monter plus au niveau des. Au niveau comment de tout ce qui est critical hit, etc. Donc, ça, c'est les boss de Botania qui y donnent. J'ai une D'accord. Terra Blade. Ensuite, The Pickinator, bah, c'est ce qui permet de justement faire un Wither complètement sous LSD. Alors attends, c'est lequel dit... Ah, le pink. Oui, bah oui, puisqu'il s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus. Ouais, Il y a pink dedans, me ouais, ouais. semble-t-il, hein, donc... Voilà. Le Ring of Loki, je sais pas à quoi il sert, mais je l'ai looté pareil sur les boss. Le Fruit Infini, qui en gros c'est de la bouffe à l'infini, ça se finit jamais. C'est lequel le fruit infini? Quand tu vas vers la gauche, c'est le quatrième. C'est une pomme. D'accord, ok. Le fruit of Grisaia. Donc ça, c'est le fruit infini. Eye of Flugel, c'est un téléporteur qui marche D'accord. avec les signes du zodiaque. Au calme. La Excalibur, qui fait pas trop mal, enfin pour une épée, voilà, non enchante rien, mais elle rajoute beaucoup de vitesse. Voilà. Là, j'ai D'accord. quelques runes. J'ai vraiment farmé à mort les runes. J'en ai à mort. Ah oui, d'accord. C'est joli. Et j'ai farmé vraiment à mort tous les Mana Steel et les Mana Pearl. Enfin, comme j'ai des ressources vraiment C'est un énormes. des derniers trucs sur lesquels tu t'es penché, Botania, au final? C'est le tout dernier mode sur lequel je me suis penché. D'accord. Ah oui. Bah, tu t'es bien penché dessus déjà, là, avec ce que Ouais. t'as, hein. En fait, Botania, le plus long, c'est d'avoir du mana. Donc je restais AFK pendant 4 heures en révisant mes cours, à balancer des items tous les X temps. J'avais un réveil, donc D'accord. parce que c'était très très chiant. Il faut utiliser le runique altar pour faire les runes. Enfin voilà, j'ai vraiment vraiment très très chiant. Le plus chiant à faire, c'est le Terra Steel. Le Terra Steel, ça me bouffait, je crois, un peu plus d'un demi mana pool. Donc c'est-à-dire, en gros, le mana pool, j'attends 35-40 minutes pour le remplir, peut-être un peu moins maintenant que j'ai monté un peu plus haut, genre 20 minutes peut-être. Donc en Ouais. gros, fallait que j'attende, au bout de deux Terra Steel, il fallait que j'attende 20 minutes à chaque fois pour pouvoir en relancer un, donc c'était un peu chiant. Ah, ça prend du temps. Ouais, là j'ai dû faire un générateur à lave, parce que du coup, celle-là, c'est des plantes qui mangent de la lave pour produire du mana.
Ouais, c'est pas les petites plantes qu'avait mis Emeraldine au coin aussi en déco? Si, Les trucs à probablement, ouais. mana. Ouais, ça me rappelle. D'accord, Voilà. ouais, je vois. Donc, bon, la Floodgate me fait sortir de la lave sur les côtés, et lave qui est produite ici par des Blaze Rods. Voilà. Donc ça c'est un peu l'expérimentation, quoi. Ça va pas rester là, Ouais. mais une petite surprise qui est pas loin. Là, Ah, j'ai les vu un peu trophées. tous les trophées de la Twilight. Ouais, je les ai gardés aussi, mais bon, vu que je ne me suis point investi par manque de temps, ils sont encore dans mon coffre. J'ai pas encore fait de déco avec, donc. Moi, j'ai juste un problème avec le Urghast Trophy, c'est que des fois, quand je me connecte, en fait, il apparaît en géant et ça me fait un écran blanc. Ah, très bien. Ah, mais j'ai vu que c'était un bug récurrent, mais D'accord. enfin, pas Ah, très, les pas très. meilleurs trophées, hein. Ouais, c'est clair. Hop, donc on va aller ici, il y a des élévateurs et tu vas sneaker. Et là, c'est la grosse partie industrielle. What the Donc, en fuck? fait, Je viens de faire un l'automatisation. tour sur moi-même et voilà. Ok, très bien. Ah L'automatisation. non! Je me suis mis sur le. Ah! Mais qu'est-ce. Ah, j'ai pas sneak là, pourquoi il m'a fait ça? Ah, mais t'es monté re-sneak deux fois. Resneak deux fois. Une, deux. Très bien. Ah oui, bah un homme qui connaît bien chez lui, hein. Moi je débarque. Hein. Donc, en gros, l'automatisation sans les machines qui sont derrière, en fait, ça sert à rien. Donc, première chose que j'ai automatisée, c'est les inscribeurs pour me faire justement ben, du storage à mort et pour les crafts de appli et d'énergistique. Ensuite, c'est les traitements des minerais. Alors, je suis parti au début sur Thermal Expansion avec les Redstone Furnace, mais c'est très très lent, même en résonante full upgrade. Les pulvériseurs, c'est pareil. Ouais. C'est lent, c'est incroyable. Bah, faut tester hein, pour savoir ce qui. Là, j'ai les inductions smelter. Bah Ok. là, c'est pareil, c'est les fluides transposeurs magma crucible. Donc en gros, ça me permet de faire vraiment tous mes crafts. Ça, c'est des deep storage units. En gros, c'est un stockage infini qui fait moins laguer que si c'était sur des drives de appli à d'énergistique. C'est pour ce que j'ai en vraiment très très grosse quantité. Donc typiquement, j'ai 353 millions de cobble, 4 millions de fer, 4 millions de charges de plomb. Ouais, d'accord, c'est bon, ça va. Non, non, mais enfin, j'en ai pas beaucoup parce que je lance très très peu de Oui, j'en ai quarry. pas beaucoup. Non, mais en fait, la cobble, j'en ai tant parce que j'avais un générateur que j'avais oublié complètement. Mais D'accord. le reste, j'ai pas tant que ça, quoi. J'ai lancé très très peu d'Ender Quarry. Ça, c'est pour des crafts auto. En gros, dans chaque cube grisé un peu en dessous des verres, je peux rentrer des patterns de craft et je peux commander n'importe quel craft. Bah, ça va le faire ici, en fait, dans ces cubes de verre. D'accord. Ici, c'est un petit système auquel j'ai un peu pensé, que j'avais déjà vu plus ou moins sur la forme pour casser les minerais automatiquement. Ah, Donc, c'est pas en mal ça. gros, à l'intérieur, tu peux cliquer là sur le Autonomous Activator qui est sur les vitres. Je l'ai rempli de pièges de Pickaxe of Wyvern Fortune 3. Je viens de Voilà. regarder, donc ouais, d'accord. Et Ok. en fait, j'ai juste eu pensé à un petit système pour les recharger. C'est que derrière, je mets un énergétique infuseur. Et comme ça tombe tout seul. J'ai jamais besoin d'enlever la pioche pour la recharger. C'est automatique. Ça recharge mes pioches en même temps que ça casse. Mais c'est bien foutu. C'est bien Voilà. foutu. Et juste derrière, bah voilà, c'est en gros, ça prend de mon appli à d'énergistique le diamant, la redstone, le Certus Quartz, le lapis, le coal. Enfin, tout ce que je veux, je peux changer dans les Tu sais filtres. que les export buffs, tu peux faire que les 9 slots soient libres pour mettre des minerais. Oui, mais je Parce préfère. que j'ai le même système chez moi et moi j'ai qu'un seul export buff en fait. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai lancé comme ça, du coup, j'ai laissé comme ça. J'avais un peu la flemme en fait de changer, je trouvais ça joli. Du coup voilà. Donc ça c'est un peu première grosse partie que j'avais faite. La machinerie. Voilà. Et derrière en fait c'est un peu la seconde partie. C'est justement pour ça que j'avais besoin de EU, pardon. C'est Industrial Craft qui est beaucoup plus rapide quand on a les upgrades et l'énergie. Donc D'accord. ça je l'ai fait pour mes autocrafts des Ultimate Solar Panel parce que il me fallait du verre en masse et donc du sable, donc il fallait crocher de la pierre, etc. etc. Enfin, j'ai tout automatisé, ça le fait absolument tout seul, donc ça c'est Par cool. contre, là, je vais vous laisser, c'est l'heure de l'apéro et là-bas, il y a de la bière. Salut. Sympa. Ouais.
Sympa. Ça c'est mon petit spawn à moi, c'est mon lit. Ah, je croyais que tu avais pensé à moi pour la visite, que tu allais me payer une bière, même pas. Ah, la bière, ça a été pas mis pour rien. C'était parce que justement, c'était pour la visite. Ah, voilà. Un homme qui sait recevoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le quinoa, là-bas? Il est sur les chiottes. Il fait caca. Quinoa fait pêche. Caca. Très bien, bah pose ta pêche au calme, hein. Une petite télé et tout. C'est sympathique, merde, ces petits trucs-là. Merde. Et voilà, il casse tout. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Le piano est assez beau, hein. C'est... Ouais, mais j'avais craft, jamais vu. Ah, mais par déco craft, c'est kikou, j'adore, moi. Mais par contre, faut pas trop mettre parce qu'au bout d'un moment, ça charge. Oui. Oui, ouais, oui. Y a... Enfin, quasiment tous les objets, t'avais quand même des petits bugs de texture dessus. Voilà, alors après, ici. Donc, ça, c'est. En gros, j'ai un undertank qui me ramène tout l'XP dans ce Expérience Obélisque. Ouais. Donc, parce que j'ai un enchantement donc, sur mon armure qui me permet que ça utilise du coup les levels quand je suis à 0,5 de cœur. Et donc là, j'ai 3174 levels. Oui, ça va. Donc, j'en ai encore pas mal de storé, mais bon, c'est. Voilà. Là, c'est mon auto-enchantement de table. Donc, ça marche pas avec des bibliothèques, ça marche avec des mana pylônes. Ouais, ce qu'on voit là, d'accord. Voilà, qui sont de Botania, du reste. C'est assez, oui, voilà. C'est assez... J'aime assez... Enfin, c'est vrai que Botania, il y a vraiment des trucs jolis. Ah ouais, le design. Tu est... peux faire masse truc et en plus, le design est sympa, quoi. Ça me rappelle StarCraft en plus au niveau du ouais. design. Ouais, un peu. Ouais. Donc, voilà, bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour. On l'avait vu chez Silek. C'est l'imprimante. Voilà, c'est pour dupliquer, ouais. en fait, les livres d'enchantement. Merde. D'accord. Merde. Ah ouais, l'imprimante, on avait vu ça. Du coup, voilà. Donc, bon, voilà, ça, c'est toutes mes machines. C'est ma salle de machine générale. On va pouvoir remonter. On monte de combien? De 1. De 1. Ok. Hop. Alors, où est-il? Il est là. Je suis là. Alors là, on va sortir de la grosse base principale. La grosse base principale? Ça veut dire qu'il y en a combien encore? La vache. Ah, il y en a une qui est ah, en construction. Ouais. Elle n'est pas finie. Tu passes dans un... Ah oui, d'accord. Tu passes dans un couloir. Hop. Donc là, on retourne sur le... Sur les... Ouais. Tous les spawners. On va sortir par la porte principale. Tous les spawners et tout. Ok. Hop. La porte principale. Du coup, t'as encore des trucs en bas? Ah oui, j'ai encore des petits trucs en bas, mais enfin, j'ai... C'est mon réacteur. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as vraiment... Lol, la porte. Pour fermer tout, en fait. Vous êtes descendu où là? Ouais, il y a des. Là en fait. Vas-y, fais voir, vite fait, quand même. Voilà. C'est mon vieux réacteur que je n'utilise plus. Oui, enfin bon. Et c'est là en fait que j'avais. Ça tout... va? J'ai commencé ici avant, on rentrait par là en fait, on rentrait comme ça. Mm-hmm, d'accord. Et là j'avais tout, j'avais mon AE, j'avais mes machines avant que je déplace tout. Mm-hmm. Voilà. Donc on peut remonter. Voilà, je l'utilise plus, je l'ai gardé parce que je voulais pas le casser et puis j'avais la flemme d'enlever le cryo. La porte est sympathique. Ouais. Du coup, voilà. Et alors là, on va se diriger par ici. Je vais essayer d'aller pas trop vite. Ok. Oh, je te suis, vas-y. T'inquiète. Si je te perds, je crie, hein, de toute façon. Voilà. Alors, je me suis mis un peu à l'extérieur, c'est pareil. Botania, comme j'avais besoin de place, voilà. J'ai mis un peu partout. D'accord, ouais, je vous vois. Vous êtes en face. J'arrive. Je suis pas rassuré. D'accord. Donc, ça, on avait vu, je crois. Emra aussi en ouais. a fait. Hein. Voilà, bah, c'est pour faire spawn les boss de la Twilight. Qui... C'est ça. Par ouais. contre, là-dessus, je trouve qu'il y a un manque d'imagination. C'est juste notre skin grisé. Ouais. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est sûr. Mais bon. Voilà. Ça coûtait un peu cher à faire spawn, alors je pourrais pas en faire spawn. Et ensuite, on va se diriger par là-bas. Alors, par là-bas, ouais, donc je l'ai vu partir. Je vais juste voir un peu ce que donne la base de loin. Ouais. Alors, on le voit de très loin, ce qui est là-bas, hein, mais je t'attends. D'accord. Pour l'instant, je ne vois rien. Regarde un peu en l'air. Ah, d'accord. Voilà. Oh. Et donc, ce sera là où j'aurai Botania, Tonecraft, Witchery. Alors, c'est en construction, c'est un peu chiant parce que j'ai mis beaucoup de temps à terraformer l'île. Ah. Oh. Donc, c'est en fait, de toute beauté. Ah, oh.
Donc voilà. C'est toi qui as tout fait, Lille, ou alors, t'as récupéré un... En fait, ah, ok, t'as fait voler un truc d'en bas. Dessus. Voilà, avec Botania, il existe ce qui s'appelle Shard of Laputa, comme... Ouais, comme ce que j'avais commencé à vouloir faire, Laputa, que je ferai, hein. Voilà. Mais soit, ouais, je vais avoir du boulot aussi, hein. Quand ça je vois ça... cher à craft, un peu beaucoup. Ouais. Il en a fallu deux pour faire voler Lille. Ensuite, donc ça m'a fait un gros c'est... trou. Ah, d'accord. Et j'ai tout rempli d'eau, j'ai terraformé les bords, j'ai terraformé le bas de l'île parce que c'était pas du tout arrondi, c'était pas du tout joli. Mmh. J'ai tout terraformé ensuite le dessus de l'île où c'était que de la pierre et en gros il n'y avait pas cette espèce de colonne centrale là qui existe, c'était un seul rocher. Enfin voilà. D'accord. Bon, en fait, tu c'est gentil, tu fais mon projet, t'es sympa. C'est bien. Nickel, merci Carpso. Bah, de rien, tu seras invité. Du coup voilà, et là c'est un peu le design que je comptais faire sur les sur l'espèce de bordure. J'ai un peu repris le thème de Botania avec les pylônes. Mm-hmm. Désolé pour les sirènes, je pense que il y a une évasion à la prison. Du coup voilà, pour faire bling bling, j'ai mis des Nether Star blocks au centre. Je pensais faire tous les pylônes en j'aime Nether bien Star, ces blocs. Et ça rend pas très blocs. Joli en fait. Ouais. Voilà. Du coup voilà, j'ai commencé un petit peu cette zone. Et probablement qu'en fait, cette zone, je ferai peut-être un arbre énorme au centre, ouais, avec des comme... jardins luxuriants, enfin vraiment... Comme la Piuta, comme ce que je voulais faire. Ah, je suis ça. Un grand fan, donc... Ah ouais, moi aussi. Hein. Donc voilà. Et je ne renonce pas, hein, je le ferai un jour. Ah, moi j'ai commencé, donc voilà. Ah ouais, t'as bien commencé, là, une bonne structure, une bonne base, ouais, pour faire ouais. Un truc... L'île est un peu petite, je trouve, mais je pouvais pas faire plus grand. J'ai déjà crafté les Shard of Laputa les plus grandes possibles. C'est pas si petit que ça, hein, en soi. Ah, pour qu'en soit, c'est vraiment petit. Bon, moi je pense qu'il y a de quoi faire, mais soit. Ah oui, il y a du potentiel, mais du coup, voilà. Donc, concrètement, je pense faire... des portails qui mènent vers des endroits, peut-être des îles dans le ciel, des morceaux sous terre, avec tous les modes de magie. Donc, ouais. Je continuerai probablement comme ça. J'avais besoin de Botania, c'est pour ça qu'en fait j'ai fini plus ou moins là. Le dernier mode que j'ai fait, c'est Botania, parce que j'en avais besoin pour l'île. Au début, je me suis un peu servi du mana de certaines personnes qui n'étaient pas là, John ouais. et Kagan. Très bien. J'avais vérifié. Tu en profites d'ailleurs pour les remercier, bien évidemment. Ah oui, je les remercie grandement parce que j'aurais jamais eu la patience ni le mana de faire tout le sterile steel qu'il fallait pour faire les Gaia Spirit. Enfin, c'était vraiment chiant. D'accord. Du coup, voilà. En outil, pareil, pourquoi j'ai fait en cobble et pas directement dans les matériaux, c'est parce qu'en fait, j'ai un truc qui s'appelle l'exchangeur. Ou par exemple, je prends n'importe quel bloc, je vais prendre des blocs de gold. Bon, j'en ai que deux. On va faire comme ça. Je sneak right-click dessus le bloc de gold. Je vais essayer de le reprendre. Voilà. Et en fait, par exemple, je regarde la cobble et je veux changer plutôt le bois là en or. Bah, je vais cliquer droit avec sans sneak. Et en fait, ça me donne les deux blocs de bois que ça a changé. D'accord. Et ça place l'or à la place. Pratique, ça. Donc, plutôt ça pratique, me permet ouais. de faire mes patterns avec du bois, de la pierre, qui, comme ont deux couleurs complètement différentes, bah, ça tranche beaucoup. Je peux me faire des patterns très visibles. Mmh. Et ensuite, voir pour les matériaux, comme j'ai fait là-bas. Oui, c'est pratique, c'est, au final. Très, très pratique, ouais. Ouais. C'est pas mal. C'est quoi ? C'est Exchanger, le truc ? Ouais, ça s'appelle Exchanger de Undertech. Pareil, comme Thermal Expansion, tu peux monter en résonante. Du coup, voilà. Hop. Exchangeur que j'ai beaucoup utilisé là pour le fond sous l'eau parce que enfin, là, on voit pas trop parce que c'est dans le noir. Mm-hmm. Mais si je fais ça. Ça va, ça coûte pas beaucoup à faire en plus. Non, ça va. Ah oui, d'accord. Attends. Ouais, c'est sombre, mais... J'essaie de placer un peu de glowstone. Oui, d'accord. Ça y est, je vois. Voilà. Bah, en fait, c'est que de la stone, mais avant, c'était du sable, du gravier, des minerais. Ouais. J'ai tout rechangé pour que ce soit sympathique. Donc, que de la stone, bien lisse. Mm-hmm. Puis pareil, j'ai un peu terraformé le fond avant de mettre de l'eau.
Donc voilà, ça c'était le plus gros projet qui m'a occupé un peu. Ouais. Donc T'as fait de grandes choses quand même. Hein. du coup voilà. Et Comme. là, il y a peu de temps en fait, je me suis fait plaisir en faisant les hélicos, en faisant le nouveau portail. Voilà, qui c'était pas du tout comme ça et j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Voilà. Là, tu devrais voir quelque chose. Ouais, là je vois déjà, hein, je te suis depuis tout à l'heure et on voit un petit peu plus. Voilà. Ça rend pas mal en plus. Mais du coup, voilà, donc avec des petits beacons pour faire le pilier central. Et donc je pensais peut-être faire des maisons troglodytes sur les côtés, enfin genre comme un village Ouais. troglodyte un peu sur les côtés. J'ai commencé à terraformer un petit peu les parois pour que ce soit pas juste en ligne droite, mais c'est un petit peu dur. Parce qu'il y a une grande hauteur. D'où Oui, le fait c'est que à ce peu près soit. ce que je suis en train de faire sur Underground, donc je compatis à ta douleur. Du coup, voilà. On a à peu près tout vu de ma base. Hein. Ah oui, et donc, comme je disais tout à l'heure, mon inventaire, je peux me mettre ici. Et j'ai accès, en fait, à mon AE. Alors attends, je m'approche pour voir à quelle distance t'es au Oh là final. là, là, on est à combien? Ok, et ta base, on la voit. Enfin, moi je Normalement, la. niveau max, c'est. Normalement, niveau max, c'est 1200 blocs, la Ah, quand même. techno. Ah, ouais, c'est plutôt pratique aussi ce Bah truc-là, hein, voilà, putain. d'ici je peux atteindre vraiment. J'ai accès à tout mon AE, donc je peux prendre n'importe quel bloc pour construire, c'est vraiment pratique. Donc D'accord. j'ai juste à prendre ça, et puis par contre ça consomme pas mal d'énergie, donc après il faut que je rentre à ma base si je construis pendant 3 ou 4 heures par exemple. Du coup Bon, enfin, voilà. ça reste plutôt pratique, quoi. T'as Oui, oublié un oui. truc, au moins, tu te retapes pas le chemin. C'est Hein. ça exactement. C'est moi, je suis la pro de ça. Hein. J'arrive sur place. Allez, on va se lancer. Putain, j'ai oublié ça. Allez, c'est Ouais, c'est ça. reparti. Demi-tour. Du coup, voilà, c'était ma petite base. Ma petite base, très bien. C'était de Hein. la merde, c'était nul. Un homme modeste, hein, ma petite Ah, base. juste, si tu veux voir le Pourri. Batman de nuit. Ouais, alors attends, j'arrive, je suis assez loin, j'arrive près des dômes. Parce que quand même, le Batman, je me suis bien amusé à le faire, ça m'a bien fait rire. J'ai une petite statuette comme ça, en fait, sur mon bureau, donc c'est pour ça que je voulais le D'accord. reproduire. Ah, t'avais un village juste à côté, j'avais pas fait gaffe. Oui, je voulais en faire quelque chose, Ouais, mais j'ai pas comme eu le temps. Emeraldine aussi, elle a pas eu le temps, elle avait le village, elle voulait faire quelque chose aussi, mais. Moi, je voulais faire. Waouh, putain, c'est vraiment joli en tout cas. Je voulais complètement modifier déjà Je me l'un promène, des ça c'est le laboratoires de mon AE. tunnel où on est passé tout à l'heure. Ouais, D'accord. je suis à côté de toi là, si tu veux. Oh ouais, je te vois, je te vois. Attends, j'arrive. Hop. Je faisais un petit tour d'horizon, parce que ça vaut le coup quand même là. Oh, il fait tout noir. Voilà. Donc il brille même de loin. Enfin, je trouve ça assez fun. Parce que Très sans bien. les lumières, il éclaire vraiment rien. Ah T'aurais dû oui, mettre. d'accord. Tu sais ce que t'aurais dû mettre? Le jaune, t'aurais dû mettre des. Comment ça s'appelle? Tu sais, les lampes là, à la con. Éteintes. Et avec un daylight sensor, bah, qu'elles s'allument de nuit, ça aurait été pas mal aussi. Oui, mais le problème c'est que il faut un courant de redstone et donc il fallait que je fasse au moins une double couche. J'y ai pensé en fait, mais il fallait que chaque lampe là, elle ait un courant de redstone sur elle. Donc Ouais, ça fait il un. aurait Ça, fallu c'est classe quand camoufler même. derrière avec des Voilà. cabanes nettes et Alors tout. que là, c'est camouflé un peu. En fait, si tu regardes, ça c'est des Par net, anti-blocs. je dis bien. Donc de face, t'as l'impression qu'il n'y a pas de relief ni rien. Mais si tu regardes de côté, il y a un bloc qui ressort ici. Que si je casse, en fait derrière, tu vois, il y en a un deuxième qui est en dessous, mais il y a mon chargeur et en dessous, il y a un Tesseract. Ouais. Et comme c'est en anti-bloc, ça me fait juste deux blocs ici, deux blocs derrière pour cacher. Du coup, voilà. Très bien. Eh ben. Voilà. Et donc la partie où vraiment moi j'ai adoré faire, c'est les deux hélicos là. Alors j'avouerai juste un truc, c'est que pour faire l'espèce de câble comme ça, je l'ai fait en créa. Et oui. Oh, t'avais le, t'es un des seuls privilégiés, tu l'as utilisé ton droit. Exactement. Oh. Voilà, j'ai utilisé le droit parce que c'était très très chiant pour placer les Ouais, cordes non, non, web je. et les remettre et les machins. J'en avais très peu parce que en gros il y a un outil de witchery qui permet de les prendre, mais il faut en Ouais. trouver pour ça. Et Ouais. après, ah putain, je suis encore en. Oh, il est encore en créa. Eh ouais, parce que du coup pour Pas passer la bien. nuit, je me suis Tu fait. mériterais un coup Après, dans le nez. on peut les crafter avec un spinning wheel, mais enfin c'était chiant. Enfin, j'ai préféré faire comme ça pour les placer, c'était mieux. Ah, il a fait la déco à l'intérieur et tout, la longue Ouais, vue. ouais. Attends, je vais monter voir là.
Ok, moi je suis coincé dans un mur. Ah, faut que tu casses le bloc, parce que en fait, le tabouret, quand tu l'enlèves, quand tu t'enlèves du tabouret, tu apparais au-dessus. Ah bien. D'accord. Donc Eh voilà, les bien. hélicos, je me suis vraiment fait plaisir pour les faire. Comme le silo à missiles, là, c'était assez fun. Ouais. Un petit silo en bas avec. Du coup, voilà. Eh C'est ben, ma visite. GG, hein. Voilà. Jolie, jolie base. Merci à Punaise. vous pour le serveur. Hein. Bah, merci à toi pour cette nice visite. Un Et mec qui puis. rigole zéro encore. Hein. Oh, Putain. j'aurais fait un Ah, peu des plus gens qui n'ont gros. pas le temps. J'aurais fait toute la Ah montagne en laboratory block, comme ça, avec les parois bien abruptes, pour faire genre un énorme laboratoire, mais j'ai pas eu le temps. là. Ah oui, bah oui. C'est vrai que là, t'as rien fait, quoi. Franchement, t'abuses. Hein. Ah, j'avoue, ça pue la merde. Putain. Ouais. C'est pourri, hein, franchement. Ah ouais. Du coup, voilà. Merci à vous. Eh ben, merci bien pour la visite, Kerpso.